Dans la cuisine de ce restaurant branché de Bangkok, les insectes sont partout. Pourtant, pas de problème d'hygiène ici. Coléoptères et rampants sont des pièces de choix, ingrédients essentiels d'une cuisine thaï réinventée. Ceux-là, ils vont dans une salade de pastèques. Normalement, dans ce genre de plat, on met du bacon grillé ou quelque chose comme ça. Mais à la place, on met des insectes grillés. Longtemps cantonnée à la nourriture de rue, considérée comme le plat du pauvre, les insectes sont ici au cœur d'une cuisine gastronomique. Une évolution naturelle pour l'une des propriétaires du restaurant. Les Occidentaux ont découvert récemment les bienfaits nutritionnels des insectes et leur teneur en protéines. Mais dans la région, ils sont très bien connus. Les gens savent attraper, préparer et manger les différents types d'insectes. Désormais reconnus comme aliments à la fois nutritifs et durables, les insectes souffrent encore de leur image. Un problème que ces recettes gourmandes pourraient aider à résoudre. Au premier abord, c'est intéressant mais pas très appétissant. J'avais un peu peur d'essayer parce que c'est vrai que ça ressemble toujours à des insectes, mais c'était bien présenté. On a pris des raviolis de punaise d'eau et c'était vraiment très bon. Si ces assiettes vous dégoûtent malgré tout, vous pourrez toujours vous contenter d'un verre au bar, surmonté, bien sûr, de quelques amuse-gueules à six pattes.